c'est un peu acoustique. Ah, le public est là. Voici notre public préféré. Ça va, on entend bien. Marcher avec un ami qui faisait marcher, donc je jouais sur la place de marcher avec des enfants partout, c'est chouette, c'est sympa. Et puis, je ne pouvais pas chanter parce que l'acoustique, on est en plein air, donc je faisais que de la guitare et de l'harmonica. Et puis, plein de gens venaient me voir à chaque fois, hein. ça s'est passé 20 fois. Hein. Et ils disaient, ah, c'était chouette, c'était sympa, c'est simple, tout ça, etc. Alors là, je me suis dit, ben, vous savez, quand je chante de la poésie, ça a un sens, ça a un rythme, donc ça me met dans un certain état. Mais je me suis aperçu que quand je prends ma guitare simplement avec mon harmonica, même sans chanter, eh bien je suis dans le même état. Ça veut dire que le son, que ce soit le son de la voix, le son d'un instrument, c'est le même son, c'est la même magie, hein, c'est le même effet. Je me suis rendu compte que l'effet que produisait le son de l'instrument, et le son de la voix, enfin pour moi, hein, c'était le même. Voilà, simplement cela. Thank you.
Font que bah, les planètes ne se télescopent pas, hein, que le soleil nous éclaire, que la vie se propage. Eh bien, Maulana Rumi, dans la Rumi de Rumi, il dit que cet ensemble de lois, cet ensemble de règles qui fait l'harmonie, hein, qui fait l'harmonie de l'univers, eh bien, tout cela se résume à un seul mot, hein, c'est l'amour. C'est l'amour. Alors ce n'est pas un amour simplement qu'on va mettre dans l'intellect, c'est déjà bien. Ce n'est pas un amour simplement qu'on va mettre dans les définitions, c'est aussi bien.